Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous RH avec MoveJob. Aujourd'hui, j'ai deux invités avec moi et on va parler plus précisément des ingénieurs et comment exercer en fait au Québec en tant qu'ingénieur quand on est formé à l'étranger. Donc, premier invité, Mohamed Amine, que vous avez déjà l'habitude un petit peu de voir avec nous, notre partenaire chez Patrimoine RH, qui Bonjour. est notre expert en recrutement international. Donc, il a l'habitude de voir des candidats et des entreprises. Et aujourd'hui, on a aussi donc Ziad, le professionnel de l'Ordre des ingénieurs au Québec. Donc, c'est Bonjour. un peu notre invité vedette aujourd'hui. C'est lui qui va répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas surtout à écrire en commentaire, voilà, si vous avez des interrogations ou peut-être aussi de quel corps de métier d'ingénieur vous faites partie. Quel est votre pays aussi dans lequel vous êtes. Et donc ça nous intéresse de savoir tout ça, le temps que tout le monde se connecte. Et on ne va pas perdre plus de temps parce qu'on n'a que 45 minutes quand même pour parler d'un gros sujet. Et on ne pourra pas aborder tous les points, mais vous inquiétez pas, on vous mettra en commentaire un lien vers un autre événement qui est organisé justement par Ziad, l'Ordre des ingénieurs du Québec, où là, le sujet sera beaucoup plus approfondi. Donc voilà, on va essayer déjà d'introduire le sujet. Donc Zia, je te laisse te présenter et nous en dire un petit peu plus sur l'Ordre des ingénieurs. Merci Alicia, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Ziad Al-Khatrib. Bon, alors, mon titre officiel, c'est technicien pour les professionnels formés à l'étranger. Concrètement, ça veut dire que, entre autres, je propose du support pour les dossiers des candidats qui voudraient immigrer au Québec et qui auraient donc la nécessité de s'inscrire à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Entre autres. Alors justement, par rapport à ça, l'idée, c'est que effectivement, ici au Québec, le titre d'ingénieur est un titre protégé. C'est-à-dire que pour résumer ça très très brièvement, on est aux ingénieurs ce que le barreau est aux avocats. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut exercer la profession d'ingénieur, avec tout ce que ça implique au niveau de ce qu'on appelle notamment des actes réservés aux ingénieurs, pouvoir utiliser le titre, qui est aussi donc un titre protégé ici au Québec, il est indispensable d'être inscrit à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Alors, notre mission, notre rôle, on pourrait le résumer très simplement. Il s'agit juste de s'assurer, tout d'abord, de la protection du public, c'est-à-dire que on fait toutes les vérifications nécessaires pour être certain que la personne à qui on va octroyer ou permettre d'obtenir un titre d'ingénieur ne soit pas concrètement un danger pour la société, c'est-à-dire que plus sérieusement, on s'assure qu'il a les compétences et les connaissances nécessaires pour pouvoir exercer ce métier avec tout ce que ça comporte et tout ce que ça peut impliquer au niveau de la réglementation, des actes justement qui sont réservés aux ingénieurs versus d'autres situations. On s'assure également de manière plus générale à l'ordre que bah, ces ingénieurs ils maintiennent leurs connaissances à jour, qu'ils respectent le code des professions, qu'ils respectent les réglementations en place pour la pratique de l'ingénierie au Québec. Et voilà, donc pour en venir à mon poste plus à proprement parler, il s'agit également de donner de l'information, comme on va avoir le plaisir de le faire aujourd'hui, pour aider les candidats à préparer le plus en amont possible leur démarche. Puisque selon les destinations, selon les situations, ça peut être plus ou moins complexe de rassembler tout ça. Donc, j'essaye de leur offrir un certain support et de les accompagner là-dedans au mieux, quoi. C'est parfait. Ziad, en fait, l'ordre ne s'occupe pas que des ingénieurs. En fait, l'autre jour, on en a parlé, vous m'avez dit que tout ce qui est filiale ou filière scientifique sont concernés. Est-ce que vous pouvez nous en donner plus de détails avant d'entrer dans le vif du sujet? Bien sûr, alors en fait, ce dont on avait parlé, c'est que il n'est pas obligatoire d'être exclusivement diplômé d'un diplôme d'ingénieur et que nous, on le reconnaisse comme tel, par exemple, pour pouvoir adhérer à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Parce qu'effectivement, dans les démarches d'immigration, beaucoup vont parfois passer par le ministère de l'immigration du Québec, produire ce qu'on appelle une évaluation comparative, qui va leur dire, bah, votre diplôme, en gros, ça équivaut à ça. Parfois, quelqu'un en France, on va parler très concrètement, qui a fait une licence suivie d'un master en génie, quand il va faire cette évaluation comparative avec le ministère de l'immigration, on va lui dire, ça équivaut à un
ce qu'on appelle ici un BAC, c'est-à-dire une licence en génie, c'est-à-dire concrètement un diplôme d'ingénieur. Mais ça, ce n'est pas tout à fait la même chose de notre côté, puisque nous, en fait, il n'est pas obligatoire d'avoir exclusivement un diplôme d'ingénieur. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un diplôme au départ de premier cycle qui soit dans le domaine des sciences, comme par exemple quelqu'un qui a fait une licence en biologie et qui ensuite derrière va peut-être faire un master ou une maîtrise en génie qui serait en lien avec son premier diplôme en biologie. Donc à ce moment-là, il est aussi possible d'obtenir une adhésion à l'ordre des ingénieurs pour pouvoir déboucher plus tard sur un titre d'ingénieur sans avoir suivi à strictement le même parcours que quelqu'un qui a fait un diplôme d'ingénieur d'une école d'ingé en France ou quelqu'un qui a fait l'équivalent d'un diplôme en génie ici. Donc effectivement, ça ouvre des perspectives un peu plus larges. Absolument. Pour différents profils de candidats, oui. Sinon, il y a bien sûr une distinction à faire entre les professionnels qui ont été formés à l'étranger et les professionnels formés dans les pays où il y a une entente. La durée peut être un peu plus longue, mais aussi il y a beaucoup d'autres détails. On va commencer par les professionnels formés en France. Si vous voulez bien. Bien sûr. Alors, effectivement, tant du point de vue culturel qu'historique, il y a une grande proximité entre le Canada et particulièrement le Québec et la France. Donc, effectivement, on a ce qu'on appelle les accords de reconnaissance mutuelle, qui sont en fait toute une liste de diplômes en génie de France qu'on a déjà en fait validé, c'est-à-dire en vertu de cet accord, on sait exactement ce que contient ce programme et il satisfait tous les points requis pour pouvoir adhérer à l'ordre. Donc concrètement, en fait, ça veut dire que sur cette liste, si vous êtes diplômé d'une de ces écoles ou d'un de ces diplômes, votre démarche va être extrêmement simplifiée par rapport à quelqu'un qui, comme on le verra plus tard, par exemple, aurait obtenu son diplôme dans un pays avec lequel il n'y a pas d'accord. Donc ça veut dire que ça prémâche pas mal le travail de vérification de notre côté. On sait déjà qu'est-ce que contient le diplôme, donc là on est davantage dans une espèce de démarche de vérification de conformité administrative, c'est-à-dire qu'on demande à la personne de nous envoyer des documents, on veut s'assurer qu'il n'y a pas une falsification de l'information, une usurpation d'identité ou une usurpation des documents, ou falsification en tout cas. Et donc une fois que toutes ces vérifications sont faites, et notamment par le biais d'un envoi direct de la part de l'école d'un certain document qu'on appelle le supplément au diplôme, donc, comme dans pas mal de toutes nos démarches, une partie des documents, en l'occurrence ici pour les ingénieurs français, il s'agit du supplément au diplôme, bah on demande à ce que ce soit directement l'université qui nous l'envoie. C'est un moyen, on va dire, de se prémunir de ce genre de fraude et s'assurer que on parle bien du même diplôme puisqu'il y a une pléiade d'options, de spécialités. Il y a des noms de diplômes qui ont changé au fil des années, etc., puisque par exemple, cet accord, il datait au départ de 2013, il a été renouvelé cette année. Donc, si on a quelqu'un qui a obtenu son diplôme dans les années 70-80, c'est possible. Là, il y a quand même un certain nombre de vérifications pour nous à faire, s'assurer que les connaissances qu'il a développées à l'époque étaient les mêmes. C'est-à-dire qu'on a essayé de se donner les moyens de mettre le plus en perspective possible toutes les candidatures pour que s'il y a la moindre ambiguïté, le moindre doute, que ce soit au niveau de nos règlements, au niveau d'une batterie d'experts qu'on peut avoir également autour de nous, qui nous permettent de faire les vérifications nécessaires. Donc, normalement, quand on est diplômé de France, on a une procédure qui est généralement simplifiée pour pouvoir donc plus rapidement devenir membre, dans un premier temps détenteur de ce qu'on appelle un permis restrictif temporaire. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que la personne est inscrite à l'ordre, on se donne une certaine marge pour la laisser pratiquer un petit peu au Québec en étant supervisée par des ingénieurs québécois, s'assurer qu'elle se mette au diapason des bonnes pratiques ici. Mais cette période peut fluctuer selon les profils, c'est-à-dire que quelqu'un qui a obtenu son diplôme il y a 3 ans n'aura pas les mêmes obligations au niveau de la durée de cette expérience, par exemple, que quelqu'un qui a développé une expertise depuis 20 ans dans son domaine. Donc on essaye de trouver un point d'équilibre par rapport à tout ça pour s'assurer, encore une fois,
ceci étant la finalité dans la plupart de nos démarches, que cette personne pourra pratiquer en toute légalité et en toute conformité avec tous les règlements sans être un danger pour la société. Puisque, encore une fois, comme ordre professionnel, notre priorité, c'est la protection du public. Et du coup, j'aimerais bien rééclaircir un point un peu sur les différentes étapes. Donc, je suis dans un processus de recrutement. Par exemple, je cherche un emploi au Québec en tant qu'ingénieur. Donc, moi, j'ai mon diplôme voilà, qui est valable, mais à l'étranger. La première démarche, du coup, ça serait de c'est-à-dire, est-ce que c'est à moi de faire les démarches, de m'inscrire à l'ordre des ingénieurs, ou est-ce que c'est l'entreprise, par exemple, qui m'épaule aussi sur ce sujet-là ou... Ben, je vous dirais qu'en fait, c'est beaucoup des deux, dans le sens où la notion d'ordre professionnel, et notamment d'ordre des ingénieurs de Québec, est profondément ancrée ici. Donc, il y a comme des mécanismes, un peu comme des réflexes de la part des entreprises et des employeurs de manière générale, selon la nature du poste qui fait l'objet d'une offre d'emploi, selon les prérogatives, selon les tâches qui vont être confiées, la nécessité notamment de pouvoir signer des contrats, des documents professionnels, des plans, etc. C'est pas mal tout ça qui va aussi conditionner un peu la situation. Donc, si par exemple, quelqu'un est en France, il est en train de préparer son projet d'immigration pour venir au Québec ou sûrement ailleurs au Canada, puisque on a des équivalents dans toutes les provinces. C'est sûr que à partir du moment, dès le début, qu'il applique à des postes où il est explicitement détaillé qu'il faut le titre d'ingénieur, ça va être dans les premières vérifications que l'employeur va faire. Il va lui demander, OK, est-ce que vous avez fait au moins les démarches? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un ordre professionnel? Ou encore mieux, est-ce que vous êtes déjà inscrit? Donc, ça, on parle vraiment d'un poste où il est indispensable, il est noté qu'il faut avoir le titre d'ingénieur. Donc, effectivement, les démarches peuvent être faites parallèlement. C'est sûr que, encore une fois, les entreprises savent que c'est généralement plus facile pour un ingénieur français que pour un ingénieur venant d'un pays sans entente. Donc, ils essayent de l'aiguiller, surtout, je pense, quand le profil les intéresse, notamment si c'est dans un domaine très spécialisé ou très pointu. Donc, il peut y avoir aussi parfois de l'accompagnement fait par ces entreprises. On a aussi d'autres sortes de permis qu'on appelle des permis temporaires. Mettons que là, en ce moment, à Montréal, on est en train d'agrandir le réseau de transport en métro. Donc, il y a un enjeu il y a un enjeu très important par rapport à ça. Donc, ils ont parfois des besoins très ponctuels. Alors, on peut avoir ce qu'on appelle un permis temporaire pour projet spécifique, c'est-à-dire que la compagnie québécoise va accompagner l'ingénieur, dans notre exemple français, pour lui permettre d'obtenir un permis très rapidement, mais qui va lui permettre de travailler exclusivement sur ce projet-là, puisque eux, ils en ont besoin pour 6 mois. Lui, mettons qu'il ne projette pas forcément de changer de vie, venir immigrer ici, mais que c'est juste un besoin ponctuel. Donc, on a essayé par ces mécanismes-là de répondre davantage aux besoins. Mais pour en revenir à votre question, effectivement, que ce soit pour les ingénieurs français ou les immigrants de tout horizon, s'ils commencent à postuler à des emplois à partir de chez eux ou en même temps qu'ils sont en train de faire les démarches, surtout s'ils postulent à des emplois d'ingénieur, là, ça va être indispensable non seulement d'être membre de l'ordre, mais d'avoir aussi le titre d'ingénieur. Ouais. Donc, par exemple, nous, ce qu'on peut leur dire, c'est que, quand on nous pose la question, bien entendu, c'est que ça peut être une porte d'entrée d'abord de commencer par des postes plus bas, même si dans votre pays, vous êtes ingénieur. Si vous postulez pour des emplois, par exemple, de technicien ici ou d'assistant de chef de projet, c'est des postes, en fait, dans lesquels vous allez être constamment supervisé. Donc, ça devient moins indispensable d'être inscrit à l'ordre, même en tant que candidat à la profession d'ingénieur, ce qu'on appelait avant les ingénieurs juniors. D'accord. En fait, Ziad, il y a un autre avantage, c'est que la procédure peut être faite depuis l'étranger. Tout à fait. C'est spécifique à votre ordre, ce n'est pas le cas de tous les ordres professionnels du Québec, mais vous, c'est possible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, c'est sûr que le contexte de la pandémie est venu un petit peu accélérer tout ça, mais de manière générale, c'est que effectivement, quelqu'un qui n'a pas encore foulé le sol canadien ou québécois peut très bien entamer toutes les démarches à distance. Les documents peuvent être envoyés par email en format PDF, idéalement pour s'assurer aussi de la sécurité des documents. Mais c'est sûr que dans l'idée, en fait,
toute la première partie du dossier à faire et des vérifications qu'on fait, nous, elles sont davantage axées sur le côté académique. Donc, dans cette perspective-là, tous les documents, que ce soit d'identité, les diplômes, les évaluations notamment qu'on requiert avec l'organisme WES, World Education Services, tout ça peut être fait à distance. Donc, effectivement, il est tout à fait possible et envisageable de commencer les démarches sans pour autant avoir effectué le déplacement jusqu'ici. D'accord. Et si vous nous expliquez maintenant la procédure pour les ingénieurs formés à l'étranger, il y a l'accord de Washington aussi, si vous pouvez nous donner. Bien entendu, alors c'est sûr qu'on a différentes catégories de candidats qui sont définies par un profil. Ce profil, en fait, il se base essentiellement sur deux informations. Le diplôme de premier cycle universitaire, c'est-à-dire en gros le premier niveau de diplôme que vous faites une fois que vous avez intégré le niveau universitaire, et le pays où vous l'avez obtenu. Est-ce qu'il s'agit d'un pays avec lequel on a une entente ou pas? Et pour en venir au premier facteur, est-ce qu'il s'agit d'un diplôme d'ingénieur à proprement parler, ou bien est-ce qu'il s'agit d'un diplôme en sciences du génie? Comme on l'évoquait tout à l'heure, effectivement, ce n'est pas réservé exclusivement aux détenteurs d'un diplôme d'ingénieur, ou en tout cas d'un diplôme reconnu comme tel par l'Ordre des ingénieurs du Québec. Mais de manière générale, tous ceux qui ont un parcours en sciences, lié de près ou de loin au domaine du génie, peuvent prétendre à s'inscrire chez nous. Encore une fois, l'idée finale étant de pouvoir exercer comme ingénieur. Donc, petite parenthèse, c'est pas impossible que des fois, on ait des candidats avec un profil davantage architecte ou autre type de métier scientifique, où là, on leur dit, en gros, ça va être vraiment très fastidieux d'adhérer à l'Ordre des ingénieurs de Québec. Vous risquez de vous faire prescrire l'équivalent d'un diplôme d'ingénieur en termes d'examen ou de cours à compléter. Mais ça, c'est des cas très exceptionnels, mais on préfère les prémunir le plus en amont possible pour éviter des grosses dépenses, des démarches qui peuvent être parfois très complexes. Mais maintenant, effectivement, oui, selon votre profil, les démarches vont être différentes. Donc, on a parlé des ingénieurs français avec lesquels il y a des accords. Donc, même si ça peut prendre plusieurs semaines, on parle simplement d'une vérification administrative. Mais c'est sûr que le plus gros contingent qu'on a sont des ingénieurs venant de pays avec lesquels il n'y a pas spécifiquement d'accord. Donc, disons que eux, la procédure, elle se divise en deux temps essentiels. Dans un premier temps, on étudie le parcours académique du candidat. On lui demande toute une batterie de documents, de s'assurer de bien connaître toutes les disciplines qu'il a étudiées, de pouvoir mesurer son niveau de connaissance dans le domaine du génie. Donc, pour ça, ça inclut tous les diplômes qui sont faits, notamment ceux qui sont faits ici. Donc, si on prend un exemple d'un ingénieur algérien, il a son diplôme national d'ingénieur en Algérie. Il est venu ici il y a quelques années, il a fait une maîtrise. Sa maîtrise va pouvoir compter. Quand bien même, encore une fois, c'est son diplôme d'Algérie qui détermine son profil de candidature. Mais on prend l'ensemble des apprentissages, des cours, des formations qui ont été faites. Ensuite, une fois qu'on a étudié ce parcours-là, on va identifier des lacunes. Évidemment, ce n'est pas moi qui vais avoir le plaisir de faire ça, mais on a toute une équipe d'ingénieurs conseillers qui ont eu une carrière professionnelle, qui savent exactement ce qu'ils veulent aller trouver dans le dossier pour s'assurer que c'est suffisant par rapport aux standards des règlements. Une fois qu'on a identifié les lacunes, le candidat est invité à soumettre à ce moment-là ses expériences professionnelles pour justement essayer de combler au maximum les lacunes qu'on aura identifiées. Alors évidemment, nous, on lui donne toutes les connaissances et toutes les définitions possibles pour qu'il comprenne. Si on lui dit, par exemple, tu as une lacune en conception, qu'est-ce qui est recherché? Qu'est-ce qu'il devra mettre en avant dans ses expériences pour nous convaincre qu'il a les compétences professionnelles en conception, par exemple? Une fois qu'il a soumis ces expériences-là, on réévalue son dossier toujours par le même ingénieur. Et là, on détermine, est-ce que ces expériences nous ont convaincus pour comptabiliser la lacune comme étant satisfaite? Ou bien, malgré les expériences qu'il a soumises, on recommande quand même des cours ou des examens pour qu'ils puissent s'inscrire comme donc CPI, candidat à la profession d'ingénieur. Donc là, généralement, on a des tendances, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus rare aujourd'hui d'avoir des lacunes pour des candidats diplômés en génie des autres pays sans entente dans des matières principales comme mathématiques, calcul, conception. Mais souvent, ils s'en sortent plus avec des recommandations de cours ou d'examens dans ce qu'on appelle des matières complémentaires, c'est-à-dire des disciplines qui gravitent autour du génie comme économie de l'ingénierie, santé et sécurité au travail, etc. Donc, une fois qu'on leur a donné ces prescriptions-là,
ils font les cours qu'on leur a recommandés et ensuite ils peuvent s'inscrire avec donc le statut de CPI équivalence totale. Et à partir de là, ils ont un petit cheminement à compléter pour enfin avoir le Graal, le statut d'ingénieur, pouvoir avoir leur propre étampe ou seau, comme on appelle ça, et donc pouvoir travailler surtout sans être supervisé par un autre ingénieur. Et les formations peuvent se faire depuis l'étranger ou c'est pas le cas? Alors, Dans les formations, c'est difficile, j'imagine. pour l'instant, au moment où on se parle, on est toujours en système présentiel, c'est-à-dire que selon la nature des disciplines qu'on va recommander, il va avoir le choix entre faire un cours universitaire ou bien un examen avec nous. Par exemple, pour économie de l'ingénierie, si jamais il a cette lacune toujours à la fin de son dossier, on lui donne l'éventail de tous les cours proposés par l'ensemble des universités québécoises, qui incluent deux universités anglophones, Concordia et McGill. Mais tout le reste, évidemment, c'est des enseignements en français. Et donc ensuite, il a un certain laps de temps pour compléter les recommandations que l'Ordre des ingénieurs lui aura données. Et ça, pour l'instant, ce sont toujours des cours présentiels. Il en est de même aussi pour les examens, puisqu'il a toujours le choix entre les deux. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de système, sauf cas très exceptionnel. Tout se fait pour l'instant en présentiel et pas à distance. D'accord. Et si on pour être pratico-pratique, un candidat qui un ingénieur qui a étudié à l'étranger, quelles sont les étapes étape par étape? Je sais qu'il y a des étapes un peu compliquées à avoir, comme le syllabus ou le tableau de concordance, etc. Ça dépend des universités. Des fois, on ne peut pas avoir les relevés de notes, par exemple. C'est difficile de les avoir ou on les a perdus. Des fois, voilà, il y a beaucoup de cas. On ne va pas entrer dans le détail, mais il y a le WES, j'imagine que c'est la première étape à faire, mais vous pouvez en. Alors, en fait, je vous dirais que idéalement, le mieux, c'est de commencer toutes les petites démarches en même temps, si on veut essayer d'optimiser ça au mieux. C'est-à-dire qu'en gros, nous, sur notre site, il y a un formulaire à remplir et à soumettre et un paiement à faire. Ensuite, il y a un certain nombre de documents qui doivent nous être envoyés. Je vous dirais, en fait, 90% des documents requis sont envoyés à l'Ordre des ingénieurs par le candidat. D'accord. Il y a deux exceptions. Pour, on va dire, la partie des pays avec lesquels on a une entente, que ce soit la France ou les pays qui font partie notamment des accords de Washington. Alors, pour les accords de Washington, les universités nous envoient à nous les bulletins de notes, les relevés de notes finaux du diplôme. Pour les ingénieurs français, on ne demande pas les relevés de notes, mais un document qu'on appelle le supplément au diplôme. C'est un document, par exemple, qui est en place depuis 2008 et qui est en fait un espèce de catalogue de tous les apprentissages qui ont été faits durant ce diplôme. Donc, c'est un moyen pour nous de s'assurer qu'on parle bien du bon diplôme, de la bonne spécialité par rapport à notre liste de diplômes reconnus. Maintenant, pour les pays sans entente, il y a effectivement, comme vous l'avez évoqué, l'évaluation comparative à faire avec WES. Et c'est sûr qu'un des principaux défis pour les candidats, c'est que WES exige que ce soit l'université qui envoie les relevés de notes directement. Il y a une exception qui est faite si jamais le candidat a ses relevés de notes dans une enveloppe fermée et scellée par l'université, c'est-à-dire qu'il y a le sceau de l'université dessus. À ce moment-là, il est autorisé à l'envoyer lui-même. Mais sinon, WES ne traite qu'exclusivement que les documents envoyés directement par les universités. Alors, ça, c'est sûr, quand on en parle aux candidats, ça paraît une énorme montagne. Et je vous le confirme par expérience, effectivement, la lenteur administrative, c'est un fléau mondial. C'est sûr qu'il y a des zones un peu plus touchées que d'autres, mais de manière générale, ça peut être un défi. Qu'on vienne encore une fois d'Algérie, de Chine ou de n'importe quel autre pays, ça peut représenter un défi. Alors, nous, on a été agréablement surpris au fil du temps. C'est que on a l'impression qu'avec la pandémie, tout le monde s'est vu forcer la main pour s'adapter. Donc, on a quand même une certaine fluidité dans ces documents-là qui transitent par chez nous. C'est sûr que quelqu'un qui a obtenu son diplôme il y a 5, 10 ans, ça va peut-être pas être le même défi que quelqu'un qui a obtenu son diplôme il y a 30 ans. Mais sans faire de trop grosses entorses à nos règlements, et puis dans un souci surtout d'équité envers nos candidats, on offre quand même un certain support. Très concrètement, par rapport à WES, il existe un programme Gateway qui englobe 7 pays.
8 maintenant en incluant l'Ukraine, c'est-à-dire que concrètement, on sait que dans la situation de ces pays-là, comme la Syrie, l'Irak, l'Iran, le Yémen, Afghanistan, Érythrée, et donc Ukraine, Venezuela aussi pendant une certaine période, les candidats pouvaient, après nous avoir démontré qu'ils ont fait des démarches et qu'ils n'ont pas eu gain de cause auprès de leur université pour nous faire envoyer leurs documents ou les envoyer à OES, bah, une fois que nous on a fait ces vérifications, on peut nous-mêmes se porter garant auprès de OES, parce que finalement, en fait, OES, leur principale préoccupation, c'est l'authenticité des documents. Il y a eu malheureusement certaines fraudes à de nombreuses reprises, et notamment avec certains pays. Donc c'est pour ça qu'eux, ils sont très très exigeants là-dessus. Mais en gros, si nous, le candidat, par exemple, qui vient d'Iran, il nous dit, bah écoutez, j'ai écrit plusieurs mails à mon université, ils veulent pas, je peux pas retourner là-bas par rapport à ma situation, ma famille a essayé, bref, on a vraiment utilisé tous les recours. Alors lui, on va prendre ses relevés de notes, on va nous-mêmes les envoyer à OES en disant on a fait toutes les vérifications, on s'est assuré que tout est authentique, tout est conforme, donc on se porte garant pour ce candidat-là. D'accord. Au niveau des syllabus, j'allais juste vous dire aussi que ça aussi, ça peut être un défi. Alors le syllabus, c'est un document qui résume le contenu de tous les cours étudiés pendant le diplôme. Encore une fois, si on a obtenu son diplôme il y a 15-20 ans, ça peut être un petit défi. Ouais, donc là, si le candidat il nous démontre qu'il a vraiment de bonne volonté tout essayé, ben, nous, on va regarder dans nos archives, ok, est-ce qu'on a un candidat qui a gradué dans la même université, à peu près dans la même période, dans la même spécialité? Est-ce qu'on peut avoir une idée des cours, des apprentissages qu'il a fait? Parce que là, pour le coup, ce document, il peut être envoyé par le candidat, mais il est obligatoire qu'il ait été rédigé ou produit par l'université. C'est-à-dire concrètement, le candidat, il ne peut pas lui-même rédiger le résumé de son cours de mathématiques en troisième année en disant bah, « j'ai vu ça, ça, ça ». Donc, il y a des petites conditions comme ça. On est conscient que ça peut poser des difficultés. Mais encore une fois, surtout depuis 2018, période à laquelle on a changé fondamentalement nos procédures. On rentre beaucoup plus en détail dans la connaissance du dossier du candidat, mais ça nous permet en fait dans le même temps de lui prescrire moins d'examens, moins de cours, puisqu'on rentre plus en détail, on a une connaissance plus approfondie, donc on peut se permettre d'être moins exigeant par rapport à ce qu'on demandait avant au niveau des examens. Donc ça ne veut pas dire qu'on a revu nos standards à la baisse, c'est-à-dire qu'on s'est donné les moyens de rentrer plus en profondeur, et donc d'avoir une connaissance plus détaillée de son parcours et de lui donner donc des recommandations plus adaptées et plus conformes à sa réalité. D'accord. Donc, ils doivent commencer par le WES, la procédure auprès du US. Après, j'ai cherché le syllabus, les informations dans le site de l'université ou des documents de l'université. Après, quelles sont les autres étapes? Ben c'est sûr qu'entre le moment où il va faire le paiement et soumettre ses documents et le moment où on va considérer le dossier, en tout cas cette partie-là du dossier complète et qu'on va pouvoir aller à la suite, il peut y avoir plusieurs semaines de délai. On va être très transparent et très réaliste là-dessus. En ce moment, le délai pour une personne qui soumet à partir du moment où il a soumis son dossier et ses documents, jusqu'au moment où il a complété les examens ou les cours qu'on lui a recommandés, très franchement, est sur des délais d'à peu près 8 à 12 mois de moyenne. Alors, d'accord. Encore une fois, je précise, ça inclut le temps que lui a pris pour compléter la prescription, ou en tout cas la recommandation qu'on lui a donnée. Donc, c'est sûr que, encore une fois, ça peut être très opportun et très intéressant de faire toutes les démarches en même temps. À partir du moment où le dossier est ouvert chez nous et que les frais d'ouverture et d'évaluation de dossier ont été payés par le candidat, son dossier reste ouvert au bas mot pendant un an. Donc, c'est-à-dire qu'il a au minimum un an pour nous transmettre tous ses documents pour qu'on puisse passer au travers de la partie académique de son parcours. Ensuite, c'est sûr que comme toute agence ou institution administrative gouvernementale, on a aussi des défis de notre côté, on a des délais, on peut avoir des périodes plus ou moins occupées, mais en gros, il soumet son demande chez nous, il fait les démarches avec OES parallèlement, et normalement, au bout de 6 à 8 mois, peut-être 10, il va savoir exactement qu'est-ce qu'on lui recommande. Entre-temps, on aura évalué tout en détail, on lui aura donné l'opportunité de soumettre ses expériences de travail, puisque ça se fait dans un deuxième temps. Donc, c'est sûr que moi, quand j'en parle avec les candidats, je leur dis, pendant que vous avez envoyé vos documents, pendant ce temps-là,
Préparez vos affaires par rapport à la partie expérience professionnelle. Assurez-vous d'être toujours en, d'avoir toujours les coordonnées de vos anciens collègues, votre superviseur. Vous pouvez même commencer à rédiger un petit peu des descriptions de tâches que vous avez faites, parce que parfois, selon les spécialités, ça peut être aussi un gros travail. Donc, on essaye un petit peu de les accompagner, de leur donner des petits conseils pour optimiser ce temps-là. Mais il y a des délais incompressibles contre lesquels on ne peut rien, auxquels on fait face avec notre réalité, avec nos ressources forcément limitées et un nombre quand même assez croissant de demandes, notamment avec la pandémie, etc. Où là, je dirais pas que c'est allé exponentiel, mais pas loin quand même. Alicia, du coup, pour rebondir sur ces questions de délai, est-ce que par exemple, donc je suis en pleine procédure pour obtenir mon permis d'ingénieur et que j'arrive plus tôt que prévu, on va dire, sur le territoire québécois, mon entreprise a envie déjà que je commence peut-être même à m'impliquer. Est-ce qu'il y a une façon de commencer à travailler, peut-être avec un superviseur ou déjà une certification? Bien sûr, en fait, c'est que. Bon, dans l'idée, en fait, pour répondre tout de suite à la deuxième partie de ta question, nous, on ne va pas donner une attestation temporaire ou quoi que ce soit. On n'est pas du tout dans cette perspective-là. Ce qu'on essaye plutôt de faire comprendre au candidat, c'est que il a le droit de travailler dans le domaine du génie, de manière générale. Encore une fois, il va falloir envisager d'occuper un poste qui va être peut-être moindre en termes de responsabilité, en termes d'avantages salariaux, etc., en termes de prestige, on va dire, entre guillemets. Mais concrètement, quelqu'un qui, même sans avoir forcément entamé les démarches avec nous, a le droit de travailler dans le domaine du génie. Nous, faisant partie des différentes facettes de notre mission, il va être par contre très important pour nous d'être très clair sur plusieurs choses, notamment sur le type d'acte que cette personne va pouvoir faire. Et on retombe sur la situation où, de toute façon, l'entreprise ne va pas lui confier un chantier s'il n'est pas inscrit à l'ordre des ingénieurs, donc sans avoir la possibilité d'utiliser le titre, de faire les actes réservés. Et justement aussi au niveau de ce qu'on appelle la pratique illégale, alors là souvent ça fait un petit peu peur, mais c'est le fait que très souvent, très maladroitement, il y a des gens qui arrivent ici au Canada et qui sur leur LinkedIn, sur leur document d'affaires ou sur leur CV, indiquent qu'ils sont ingénieurs. Alors, s'ils indiquent ingénieur de France, ingénieur d'Algérie ou détenteur d'un diplôme d'Algérie, nous, ça nous va. Par contre, s'il est juste ingénieur, avec toute l'ambiguïté que ça peut entraîner pour les entreprises, mais aussi le public, là, nous, on va lui dire attention, ça, c'est pas possible. Pour pouvoir utiliser le titre d'ingénieur, il faut forcément avoir le permis d'ingénieur avec l'ordre professionnel. Donc, en fait, il a le droit de travailler dans le domaine du génie. Et l'expérience que cette personne sera en train d'accumuler pendant qu'il fait les démarches avec nous va d'une manière ou d'une autre lui être bénéfique dans son cheminement pour avoir son permis plus tard. Puisqu'encore une fois, le premier statut qu'ils vont avoir en devenant membre avec nous, ça va être tout d'abord CPI, candidat à la profession d'ingénieur, ce qu'on appelait jusqu'à il y a très récemment ingénieur junior. Mais cette durée est plus ou moins fluctuante en fonction du profil. Et une fois qu'il a remplit les différentes conditions qu'on va peut-être pouvoir aborder aussi. Là, il peut avoir son titre d'ingénieur. D'accord. Juste une petite question. Est-ce que le statut de l'immigrant temporaire, permanent ou autre est déterminant pour l'ordre des ingénieurs? Est-ce que ça... Absolument pas, justement. C'est ça aussi un des aspects dont on a parlé tout à l'heure. C'est que quel que soit votre statut ici, étudiant ou autre ou résident permanent ou détenteur de la citoyenneté canadienne, on n'est pas du tout regardant sur cet aspect-là. D'autant plus, encore une fois, que s'il y en a parmi nos candidats qui rentrent sur le territoire canadien et qui a au départ un statut de réfugié, ceux-là, je leur recommande de nous contacter le plus tôt possible, même si entre-temps, ils ont obtenu une résidence permanente, ce qui arrive souvent à la douane de l'aéroport. Mais tant qu'ils ont un document, notamment celui qu'on appelle le certificat de sélection du Québec, le fameux CSQ que les Français notamment connaissent bien, si dessus son statut de réfugié n'est pas expiré, il nous contacte et ça nous permet de lui appliquer, par exemple, 50% de réduction sur les frais d'ouverture de dossier. Donc, concrètement, quelqu'un qui vient d'un pays sans entente, c'est 925 $. Quand on vient d'arriver, si on peut se dispenser de 447 $ sur ces frais-là, je pense que c'est bienvenu. Donc, il est très important de nous contacter au départ. Mais outre cet aspect-là, nous, on regarde absolument pas cette question-là chez les candidats. Je sais qu'il y a la possibilité d'avoir une prise en charge par des organismes
comme le moulin microcrédit, etc. Est-ce que c'est pour quel cas de figure, disons? Alors là-dessus, je tiens à tout de suite clarifier les choses. Pour l'instant, on parle pas de partenariat contractuel entre nous et ces organismes-là. D'accord. Ce qu'on a essayé de développer, par contre, c'est qu'encore une fois, dans la perspective d'accompagner au mieux nos potentiels futurs ou candidats, il existe effectivement, et puis ça, on a de la chance ici au Québec, il existe quand même un éventail très complet de différents organismes qui offrent différents types d'accompagnement pour les immigrants. Donc, c'est sûr que ceux qu'on a eu la chance de recevoir à différentes présentations et qu'on commence un petit peu à promouvoir un peu plus, notamment le Montréal Microcrédit ou le Moulin Microcrédit, ce sont des organismes communautaires, donc ce qu'on appelle nous chez nous en France des associations, qui permettent d'obtenir du financement pour justement faire ce type de démarche, que ce soit avec un ordre professionnel ou tout autre type de démarche administrative qu'un nouvel arrivant aurait à faire. Donc, nous, encore une fois, on encourage les candidats à faire le plus de recherches possible. Il existe tout un tas de structures, de plateformes en ligne qui permettent de répertorier tous ces organismes-là en fonction des besoins, en fonction de sa localisation. Donc, c'est intéressant pour nous de permettre à ces organismes-là de parler un peu de leur activité. Mais effectivement, si on parle plus en détail en termes de responsabilité, en termes d'application de ces programmes, nous, on ne se porte absolument pas garant. On informe que ça existe et on pousse au maximum nos candidats à contacter directement ces organismes-là, en se renseigner. C'est sûr que avant d'arriver à ce niveau de promotion, on a développé une certaine relation avec ces organismes-là de confiance, on sait ce qu'ils font. Eux, ils nous connaissent bien puisque une bonne partie de leurs participants ou bénéficiaires font des démarches pour adhérer à un ordre professionnel, dont le nôtre. Donc, on essaye de mettre en place une coopération qui soit bénéfique pour l'ensemble des personnes impliquées, quoi. D'accord. Alicia, est-ce que tu as des Oui, du coup, questions? je vais commencer à regarder un petit peu les questions qu'on a reçues en commentaire. Donc, Ziad, est-ce que tu peux nous dire combien d'ingénieurs vous accompagnez par année et surtout combien sont reconnus après examen de leur dossier? Alors concrètement, en fait, au moment où je vous parle, on avoisine les 70 000 membres, c'est-à-dire que sur l'ensemble du territoire québécois, on a 70 000 personnes qui sont membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Alors, une partie d'entre eux, je pense qu'on est autour de 8-10 000, sont encore au statut de CPI, candidat à la profession d'ingénieur, mais tout le reste, ce sont soit des ingénieurs actifs, soit des ingénieurs retraités. Sinon, chaque année, je vous dirais que c'est sûr que ça fluctue, mais entre ceux qui renoncent à leur titre ou qui renouvellent pas leur cotisation et ceux qui arrivent, on se maintient à peu près à un niveau. Mais je vous dirais comme ça, si je devais donner une estimation, je pense qu'on a entre 1 500 et 2 000 nouveaux membres chaque année. D'accord. Et du coup, de quelle destination un petit peu le plus? Ça fait Alors, c'est plaisir sûr quand. qu'on parmi nos profils, on a essentiellement des gens qui ont obtenu leur diplôme d'ingénieur au Québec. Ensuite, on a des diplômés des autres provinces canadiennes. On peut avoir également des ingénieurs des autres associations d'ingénieurs des autres provinces, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui est ingénieur au Nouveau-Brunswick ou en Ontario. Il a un projet d'immigrer ici ou il a besoin de travailler ici au Québec pendant 1 an ou 2. Lui, comme il est déjà ingénieur dans sa province, il existe un mécanisme qui lui permet de devenir directement ingénieur avec un permis temporaire, puisqu'ici, la spécificité au Québec, c'est la maîtrise de la langue française. Donc, jusqu'à qu'il nous ait démontré qu'il maîtrise les compétences linguistiques, il a un permis temporaire qui devient ensuite un permis permanent. Après, évidemment, on a les ingénieurs de France, on a les ingénieurs qui viennent des pays de la liste de Washington. Et ensuite, un de nos plus gros contingents, si ce n'est pas le plus gros, sont les ingénieurs formés à l'étranger. Donc, comme on le disait tout à l'heure, spécifiquement Maghreb, Amérique latine, Afrique, Asie, dans une certaine mesure. Et enfin, ce dont on a un petit peu parlé brièvement, c'est tous ceux qui sont autres que profil d'ingénieur, c'est-à-dire autres diplômes. Puis là-dedans, on peut aussi bien avoir des Québécois, Canadiens que des étrangers, quoi, dépendamment des profils. D'accord. Et du coup, ce que tu disais tout au début, si j'ai bien compris, c'est quand on a notre permis d'exercer, on ne peut pas nécessairement exercer partout au Canada? Non, alors effectivement, au début, si on obtient son titre d'ingénieur à l'Ordre des ingénieurs du Québec,
on peut exclusivement exercer au Québec. Mais une fois qu'on a le statut d'ingénieur, et non pas au stade de CPI par exemple, mais une fois qu'on est ce qu'on appelle ingénieur plein titre, c'est-à-dire qu'on a complété les 3 étapes du cheminement CPI, là, si par exemple vous avez des opportunités pour aller travailler dans une autre province, vous pouvez transférer votre permis. Évidemment, tant que vous continuez à payer votre cotisation annuelle dans votre province, vous pouvez accumuler des titres dans toutes les provinces du Canada si ça vous chante. Bon, ça va vous faire cher en cotisation annuelle en accumulant le tout. Mais je peux très bien être ingénieur plein titre et au Québec et en Ontario en même temps, du moment que je paye mes cotisations. Et le fait est d'être devenu ingénieur d'abord au Québec m'a permis de transférer mon titre. Donc, sans avoir à repasser par toutes ces étapes en Ontario, c'est des démarches beaucoup plus simplifiées qui me permettent donc directement de pouvoir exercer en tant que tel là-bas en Ontario. D'accord. Ziad, il y a une question de Philippe, notre collègue, qui dit, il manque combien d'ingénieurs au Québec face à la pénurie de main-d'œuvre? Alors, très concrètement, je ne saurais pas vous chiffrer ça. Et puis, ce sont des, c'est une discussion davantage au niveau de la situation économique, etc. Donc, c'est des détails dans lesquels je ne rentrerai pas forcément. Comme beaucoup de pays, on va dire, comparables avec le Québec ou le Canada. Donc, il y a effectivement une pénurie de main-d'œuvre. C'est une réalité historique au niveau du Québec, puisque il y a une attirance naturelle, on va dire, tout d'abord pour Montréal. Donc, déjà, avant la pandémie, il y avait quand même des besoins dans les autres villes qui attiraient un peu moins l'immigration dans les autres villes de la province québécoise. Mais après, concrètement, c'est sûr que, ben, dépendamment des domaines, dans le civil, c'est sûr que c'est toujours très recherché. Mais après, dans le même temps, dans certaines spécialités, ça, il peut y avoir aussi des besoins particuliers. Mais je vous avouerai que là-dessus, disons que nous, cette partie-là de connaissance de la situation concrète et factuelle du génie au Québec, elle va nous servir davantage en interne, puisque nous, dans notre rôle, on n'est pas là pour influer sur la situation économique ou les fluctuations des besoins, mais on en est conscient et puis on va utiliser ces informations-là davantage au niveau interne pour s'ajuster au niveau de nos règlements, faciliter certaines choses. Comme très concrètement, par exemple, avec ce qui se passe malheureusement en Ukraine, nous, notre rôle, ça va être davantage de réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir faciliter l'adhésion et les démarches, par exemple, pour les futurs candidats ou ingénieurs qui auraient étudié en Ukraine. Puisque, petite parenthèse, il faut quand même considérer que c'est un pays qui a attiré aussi beaucoup d'étudiants étrangers. Donc, on peut très bien avoir des étudiants, notamment d'Afrique, qui ont étudié en Ukraine et Oui, qui, c'est vrai. sans y vivre aujourd'hui encore, bah, vont être concernés par la situation, ne serait-ce que pour les démarches de leurs documents. Mais sinon, il existe une autre institution qui pourrait davantage répondre à ce type de questions. C'est ce qu'on appelle le réseau des ingénieurs, communément appelé aujourd'hui Génium 360. Donc, disons que eux, en fait, ils sont davantage orientés vers la carrière des ingénieurs, sur les activités notamment de réseautage, puisque autre point important, malgré toutes les bonnes choses qu'on essaye de faire, malheureusement, nous, on n'est pas du tout là pour accompagner les ingénieurs pour trouver un emploi, par exemple. Nous, notre démarche, c'est de leur donner leur principal outil de travail qui va être l'adhésion à l'ordre et notamment sur une perspective plus moyen-long terme, le titre d'ingénieur, qui pour un ingénieur est son principal outil de travail ici au Québec. Monsieur. Par contre, Génium 360 vont être davantage orientés vers l'accompagnement en termes de carrière, en termes professionnels des ingénieurs. Donc, ils vont aussi bien proposer des formations pour les aider à maintenir leurs connaissances ou à se réorienter dans d'autres domaines. Ils vont organiser des événements de réseautage, de mise en contact avec des employeurs, etc. Ils vont organiser des colloques de réflexion sur l'évolution du métier dans certains domaines, et notamment aussi, donc principalement, les accompagner, les orienter dans leur démarche de recherche d'emploi, chose que, enfin, terrain sur lequel nous, on ne va pas du tout, ne serait-ce que par notre rôle et par notre mission principale, qui reste avant tout la protection du public. C'est sûr. Bah, Alicia, est-ce que merci. tu as d'autres questions? Moi, j'ai pas d'autres questions. Et puis, on a déjà presque écoulé le temps, les 45 bonnes minutes. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, je tenais à vous remercier tous les deux. Et Merci. j'invite ceux qui nous regardent à suivre nos pages Move Job, donc soit sur Facebook ou LinkedIn. Comme ça, on vous mettra bah, tous les liens aussi par la suite donc d'un événement qui va être organisé très prochainement. Lors des ingénieurs du Québec, où vous pourrez donc approfondir le sujet plus amplement. Donc, vous aurez ce lien-là. Et aussi, j'ai vu passer quelques commentaires sur
Voilà, des futurs candidats en recherche d'emploi, voilà, qui ont un projet d'immigrer au Québec. Et là aussi, vous aurez plein d'infos sur notre blog, sur nos prochains rendez-vous. En ce moment, il y en a un presque toutes les semaines. Hein, vous êtes gâtés. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Le Mais dernier merci. mot. Je laisse le dernier mot à Ziad. Je ne sais pas s'il y a des sujets qu'on n'a pas traités. Juste, vous pouvez. Ben, je tiens avant tout à vous remercier pour cette opportunité que vous m'avez donnée aujourd'hui de parler un petit peu du génie au Québec et de l'Ordre des ingénieurs du Québec. C'est sûr que je peux comprendre tout à fait pour avoir été dans ce rôle-là. Je peux comprendre qu'au début, ça puisse paraître énorme, très compliqué, très administratif. Mais j'encourage tout simplement les personnes intéressées à nous contacter. Nos coordonnées sont présentes un peu partout sur notre site. Je vais aussi avoir la chance de donner mon adresse directe à Alicia. Donc, si jamais vous voulez me joindre, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et puis, comme l'a évoqué Mohamed Amine, effectivement, sur différentes plateformes, vous avez la possibilité de vous inscrire à des présentations que j'ai la chance d'animer pour justement détailler sur un peu plus de temps toutes ces démarches-là et répondre à toutes les questions, à toutes les préoccupations. Donc, n'hésitez surtout pas, ça vous fait plaisir de répondre à vos questions et de vous accompagner dans ces démarches qui ne sont pas toujours simples pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Ziad. Merci à vous. Bonne Merci journée. beaucoup.